Bonsoir à toi YouTube, re-bienvenue. Re, oui, bon, je sais pas quand est-ce que tu verras cet épisode, mais pour nous ça se déroule le même soir. Et donc, comme je te l'ai dit à la fin de l'épisode précédent, nous partons pour la suite de l'aventure principale. Sort ce vieux monk. Le Mantis a bien changé. Ouais, car les bottes sont pas des maniaques de la propreté. J'ai nettoyé ce matin. Enfin, je crois. Non, je l'ai pas fait. Non, c'est ma faute. Et je savais pas que tu serais de la partie, Meryn. J'aurais dû prévoir des steaks de Skaz. Pourquoi t'es revenu d'ailleurs? Serré et moi pensons que Tanalor pourrait servir de refuge à ceux que l'Empire persécute. Ceux que l'Empire persécute? J'espère qu'il y a de la place. Allez. Let's go, les amis. Et le chat, vous êtes toujours là? Vous m'avez l'air tous décédés là. Prépare-toi, Cal. On est presque arrivés. Oh la belle texture dégueulasse. Oh le beau souci de chargement des textures. On est là, ok. Bienvenue sur Kobo. Cal! Cal, je suis contente de te revoir! T'as raté toute l'action! C'était horrible! Qu'est-ce qui s'est passé? Les pillards nous ont encore rendu visite. Ils se sont entichés du droïde que t'avais trouvé. Zed? Ils l'ont embarqué, Cal! Sans ménagement! Zed a été enlevé! J'espère que le salon est intact, Torgel. T'as pas intérêt à être responsable de tout ça! Je suis innocent, monsieur Grise! Promis! Dagan les a envoyés. Il veut Tanalor. Alors Zed doit être plus importante qu'on le pensait. C'est forcément lié à ses banques mémorielles. Il faut qu'on la sauve. Quand il aura ce qu'il veut, il l'enverra à la casse. Ça sera pas facile de la récupérer. La base des pillards est dans le marais. Ils ont éventré un vieux vaisseau de combat Luke Hulk de la guerre des clones. On l'a vu. Ce truc a une sacrée puissance de feu. Nous aussi. Elle a raison. C'est le moment de frapper. Je sens que ça va me plaire. Maintenant qu'ils ont ce qu'ils voulaient, ils sont dans leur forteresse et ils se croient à l'abri. Ils ne verront jamais le coup venir. Peut-être pas, mais si tu te trompes, ils chercheront à se venger. Vous inquiétez pas, je resterai ici pour protéger Grise et les autres. T'es sûr? J'ai confiance en vous deux. Mais surtout, le laisse pas nager sans surveillance. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Jolie hache. Je m'appelle Mozy. Meryn. Bon, sur ce, je pars devant. À toutes. Et pour ça, il faut qu'on se casse au tout début. Pas tout à fait au tout début, apparemment, si. Non, je vois où est-ce que c'est. Ok, je sais où c'est. C'est par là-bas. Je peux pas. Infamie, je suis pas d'accord. Je dois me recentrer. Ouais, la machine elle commence à avoir chaud, je le sens. On joue avec ça donc. Ça. Nickel. Allez, bon, on y va. C'est parti pour le TP.
Mais non, mais j'ai demandé un TP. Merci. Allez. Ils sont tous partis, ils sont tous décédés là. Dinguerie tout de même, n'est-ce pas? Non, le jeu, s'il te plaît. Nope, je suis pas décédé. J'éclate des palettes. Ah, ça, mon ref. Oui, c'est bien ça, il faut que je fasse demi-tour. Normalement, par là, je dois pouvoir rentrer. Oh non, c'est un point d'arrivée, ça. Il y a des giga problèmes de texture là. C'est pas possible ça. Pourquoi il y a toutes des textures blancs dégueu là? Regardez. Regardez ce mur là. Il est pas censé être comme ça tout de même. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Le jeu? Le jeu? On bouge. D'accord que dans la petite grotte à côté j'ai récupéré, oui. C'est bon le problème de texture? Non, c'est pas du tout bon. Écoutez. Écoutez YouTube, je vais tâcher de faire le dernier épisode, mais ça va peut-être être difficile. Les textures, c'est un peu de la merde. Pour exceptionnellement la fin de l'épisode, je vais alléger la machine. Désolé pour le petit peu de voir. Ah, nous y voilà. Je te vois, j'arrive. Toujours en vie? Quelqu'un t'a repéré? Moi? Aucune chance. À quoi on a affaire? Aucun signe du droïde? Un genre de porte de service. On devrait pouvoir entrer par là. Ça a l'air d'être notre meilleure option. Il va falloir passer par ce marais pour atteindre le Lucker Hulk. Parle pour toi. Je t'emmène, BD. Quand tu seras prêt, passe ce portique. Je te surveille. C'est noté. C'est une façon de pas se salir les bottes, hein? Bien, alors j'ai l'air de pouvoir passer maintenant, que par en bas. On doit aller secourir Zed.
plaisir. Difficile de croire que quelque chose puisse vivre dans ces marais. Notre petit camarade a l'air de bien s'en sortir. Tu vois ce bâtiment, BD ? Quelqu'un vit sans doute ici. Ou vivait. Je l'ai vu là-bas. Salut, gamin ! Vous en faites pas pour moi. C'est dangereux comme coin de pêche. Non, c'est dangereux comme pêche de... De quoi ? Bien sûr. Ouais, celui-là est pas fou. Mais le sarcasme, ça aide pas. En plus, je me concentre sur ma proie. Le redoutable Glotsam Crab. Un jour, un de mes anciens matelots sur le grapnel a essayé de cueillir un crabe de mer. Et là, bam ! Elle est passée par-dessus bord. Je vais atterrir par là, c'est ça? Là, il y a un queutru. Tu penses que ça vaut combien, ça? Pas assez pour se frotter au pillard. Allez, bouge! Allons jeter un œil. Après, pas tout de suite. Bah, si, tout de suite, en fait. Cal, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question, Zig. Je suis venu chercher Zed. Oui, moi aussi. Et je suis Winnie RS. Cal, c'est ça? Nous venons tout juste de nous rencontrer, mais j'aurais besoin d'aide. En quoi puis-je vous aider? On m'a dit qu'il y avait un oiseau dans les marais, doté d'un plumage somptueux. Mais quand j'ai essayé d'observer un spécimen de plus près, il a arraché mon bloc de données et il s'est envolé. Où il est parti? Ils ont fait leur nid au sommet d'une flèche, pas loin. J'irai bien, mais Winnie préfère que je reste avec elle. Oui, la flèche, là. Si loin et si proche à la fois. Tu m'énerves fort, toi. Quelle étoile vous faites? C'est une expression de Coruscant. J'aurais pu me contenter d'un merci, Cal. Oh, elle m'énerve, elle. Oh oui, qu'elle m'énerve. Je peux pas déplacer ça. Mais il n'y a pas d'autre moyen de grimper sur le pilier. Dériveur ? Attendez. J'accepte. Attends, quoi? Ouais, bien ce qu'il me semblait. Mmh. Beau travail. Futale pleine goudron infernal. Non mais. Merci tout de même. Ah, j'ai salué mon superbe chute. T'es déjà monté à bord d'un vaisseau aussi grand, mon pote? Moi, ça fait longtemps. Et j'ai pas hâte.
Mais Zed se trouve là-dedans. On ne peut pas repartir sans elle. Directement là-bas, parfait. Et maintenant, je dois aller par où ? Par là. République en brin excentrique. Oui. Et toi ? Je suis là, non ? Je vais en haut. Mieux vaut ne pas essayer de traverser ici. Qu'est-ce que t'as vu à ce qu'est ? Le petit bout de bout ? Là, voilà. Ça va être dur de sortir de là. Waouh! Nice! Pas terrible comme accueil. Je suppose que ça sert à rien de toquer. On trouvera un chemin. C'est étonnant parce que quand il est rassemblé, les deux parties ont la même taille. Mais quand il est séparé, il y en a un tout petit peu plus court que l'autre. Ça va être un raccourci pour plus tard, j'imagine. Je peux peut-être t'aider. Tu peux briser ce coupleur? On va bientôt le savoir. Tu sens ça aussi, BD ? Voilà. Dans le doute. Ben voilà, t'as été exaucé mon gars. Bouc court. Non, moi j'aime bien comme il est là mon perso. Je sais pas vous, moi je l'aime beaucoup. Décidé de venir finalement. Oui, elle pense que Tanalore peut vraiment aider le passage. Ok. Mais t'as l'air plus heureux depuis qu'elle est là.
Ok, restons concentrés. Zed a besoin de nous. Alors, oui... Ah. Cette vieille casserole pourrait sombrer d'un moment à l'autre. Non, elle tiendra. Attends un peu de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est en face, mais... Ah d'accord. Tu sais, un jour je me suis introduit dans un cargo sur Denab. Ah ouais? Des conseils? Non, rien à voir avec un Lucker Hulk. Désolé pour la lumière bleue. Tu peux dégager le passage? Tout à fait. C'est un peu explosé, ça explose un peu les yeux, je suis désolé. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Pas étonnant qu'ils aient perdu. Allez, on avance. Je vais vérifier que la voie est libre. Je t'ai manqué, BD ? Allez, on y va. Bien sûr. Alors là, il y a un raccourci. Donc on va le débloquer. Étant donné que ça n'a pas l'air d'être la suite. Non, c'est bel et bien un raccourci. C'est parfait. Nickel. Ici un petit atelier. Hop, voyons voir. Ça part. Du coup, notre seul accès actuel, c'est bien par là, mais... Qu'y a-t-il ici? Quand même un petit coffre, un petit secret, quelque chose.
contact ennemi. Ok, ça doit être pour un retour potentiel. Ok, ça c'est pour la suite, j'imagine. Bon, bah allons-y, hein. Faire un tour et m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Sois prudent. T'étais caché, je t'avais pas vu. C'est bien joué. Escalader un vaisseau de guerre déglingué, ça me rappelle des souvenirs. Où est-ce qu'ils vont? I am Jedi. Faut ouvrir ça. Ils sont massacrés du cerveau, vraiment. Bon bah très bien. Oh ouais. Il pourrait conquérir toute une planète avec ça. Restez en alerte. On nous signale des ennemis dans la zone. On nous attaque ici. Allez au combat. Bouclez le périmètre. Je sais pas ce que fait Revis, mais ça a attiré l'attention de nos ennemis. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait voler ces abrutis de prospecteurs sans aucun problème. Ils ont repéré. Maintenant, tout le vaisseau sait qu'on est là.
Oui. Et alors? Est-ce réellement très très grave en somme? Parce qu'il y a un petit passage en vert là-bas là. Ça m'intéresse. Ça doit être un raccourci. Ah, la fameuse porte que je ne pouvais pas ouvrir, elle est là-bas! Par en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Nice! Perfect. Passer par l'autre côté. Ok, j'ai. Pourquoi cette porte est-elle fermée? Elle est verrouillée ou bloquée ou je ne sais pas. Impossible de l'ouvrir. Il y a un intrus de l'autre côté. Ouvrez ça et vite. La porte est bloquée. Ouvre-la. C'est un sabre laser. Enfin. Ah, trop tôt. Hey! Chasse. Ok. Tu vas où comme ça? Voilà pour... Les super droïdes de combat sont HS. Ça me motive encore plus. Assez. Tu passeras pas. Non, mais c'est une blague, y a rien qui passe. Ah, la chasse. Oh mais c'est une blague! Je dois vider mon esprit. Oh, ils m'ont bouffé, mais ils m'ont bouffé 9 steam de soins là, quand même. Là, oh, prêt, Cal? Ouais, alors prêt, oui et non. Du coup, parce qu'on va revenir dans la salle précédente rapidement. Oh, non, 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 non. Aïe, je l'ai esquivé. Allez, allez. Encore un. Un petit film.
Ok, d'accord. Voilà. Je tire. À qui je tourne? Je n'arrive pas à toucher. Non, mais sérieux! Sans déconner, tu veux faire quoi? Oh eh, foutez-moi la planète entière sur la gueule, sans déconner! On va aller chercher le dernier truc secondaire là-haut, là, et puis après on va se laisser parce que c'est en train de me rendre fou, là. Truc de merde, là. La machine, elle en peut plus aussi, donc... Eh ben, heureusement qu'on en était là. Oh, pas deux fois les gars. Allez, c'est bon, maintenant tu dégages. Une bonne chose de fait. Ça va m'aider. Là-bas, j'y crois pas un instant. Non, non, c'est encore du secondaire. Bon, allez, on fait ça. Doucement, il y a des ennemis. Là, ça me permet de redescendre directement dans la salle. Okay. Hop là! Bien vu. Allez, nickel. Bah écoutez, tout le monde. Oh, on finira cette. On finira ça vendredi.